Nous avons aujourd'hui l'une des plus grosses mises à jour sur Phasmophobia, la mise à jour Apocalypse. C'est probablement l'une des plus importantes parce qu'elle propose non seulement une refonte du lobby, mais aussi une refonte du gameplay. Non seulement vous avez la possibilité de personnaliser à l'infini votre partie, que ce soit au niveau du joueur, au niveau du contrat ou encore au niveau de l'entité. Nous avons également des maps alternatives, celle de l'asile et du campement. Pour le campement, nous avons une version plus réduite du campement. Et pour l'asile, sa version alternative propose un découpage par 5 segments. Lorsque vous lancez cette map alternative, nous avons des parties de l'asile qui sont condamnées. Aussi, lorsque vous arrivez dans l'asile, vous ne savez jamais vraiment sur quelle partie accessible vous allez pouvoir jouer. Avec tout ça, nous avons un profond rééquilibrage de la difficulté. Je retrouve les premières sensations de Phasmophobia. En tout cas, au-delà de tout ce que j'apprécie dans le jeu, je retrouve le plaisir des premiers instants. Ouh. Oh. Oh non. Mon Dieu, il y a un palmier à l'intérieur. Ok, c'est glauque, hein. Oh non. Joue avec moi. Non. C'est un Quing. Merci beaucoup. Merci. Ah mais c'est presque comme ça qu'on fait une croix. Il y a les fusibles, c'est soit rouge, soit éteint. Donc rouge, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est ok. C'est ça? Ça veut dire que c'est allumé. Non. J'ai pas fait 20 mètres dans l'asile. Ça sent totalement l'ombre, je suis d'accord. Ok. Vous savez que dans Phasmo, l'angle de vue est important, notamment sur le fantôme. Il attaque à vue. Oh. Et si vous courez et que vous cachez sur l'angle en utilisant par exemple les placards qui sont dans le couloir, ça va vous avantager. Oh mais non, mais le reward, c'est presque une colonne vertébrale ça, non? Cinq degrés, c'est frais. Mais c'est fermé là. C'est un os. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est? Ok. 10 pour une guitare. Pourquoi j'ai utilisé la guitare? Ok. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Koski. Deux, il y a des ouais. Petit indice. Le jeu est plutôt pas mal. On va prendre un petit raccourci. Il y a un endroit qui va nous rassurer. Regardez, là, c'est ok. On est bien. Ça a l'air chouette. Thank you.
Mais si, mais moi je milite pour qu'on utilise intelligemment tous les briquets. Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Quel est votre âge? Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Il me semble aller steak. Enfin, on y va, c'est pas, faire connaissance, je suis plutôt quelqu'un de bon aloi. J'arrive plus du tout à dissocier les... Pas giga timide. Hein. Est-ce qu'il veut me faire juste un petit câlin hein, ou plus? Je ne sais pas trop. Maintenant, on part vite. Ouais, c'est ce que j'essaye. La cam est bien posée. Bon, on le sort au camion, tu sais quoi? La dernière mise à jour, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. C'est ce qui découvre la mise à jour, elle est vraiment bien. Surtout faire l'asile en solo. Faut vraiment être très courageux comme moi. Pour avoir aucune conscience. Mais la caméra est juste bien posée en fait. Ok, petite fille, petite fille, petite fille. Ok. Le truc, c'est que j'ai pas envie de visiter l'église en mode est-ce que quelqu'un a laissé traîner sa colonne vertébrale dans l'église? Là, j'ai pas trop. C'est pas trop mon pied là. Enfin, ma connerie, vous avez compris. Hein? Ok. Est-ce que... On sait pas où... En plus, un objet maudit là-dedans, mais ça doit être l'enfer, quoi. Il attaque, ouais, je... Ça me rappelle le pitch, sans aller dans la divulgation du thème. Ça me rappelle le pitch du prochain Slashers. Où tu incarnes en fait des fans d'Urbex. Pour celles et ceux qui découvrent ou qui risque de découvrir cette VOD sur la chaîne YouTube, sachez qu'il y a des alertes en live qui sont activables par les viewers et qu'on entend en live en fait. J'essaie de remplacer les cachetons par des suppos. Ben si, là c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont remplacé par les suppos de Satan. Hein. Il est là en face, il est là en face, il est là en face. J'entends, c'est pas. Ouais, que je l'entends marcher derrière moi. Que j'avais pas calculé, c'est qu'il ferme cette porte, il ferme cet accès à la, cet accès là. Ah je me casse, je suis désolé, je me casse.
C'est mort. Je vous dis, c'est mort. C'est mort. Mais regardez. Ouais, EMF 5. Je suis à 30%. EMF 5. Je l'ai déjà empêché d'attaquer. Avec le crucifix. C'est mort. C'est mort. Enfin, je pense EMF 5. Spectre. Ouais, spectre. Ah non, c'est mort. Ah, c'est exactement... Ouais. Non, en restant dans le camion, je... Oh. Ah non, non, je régène pas en restant dans le camion. Non, le truc, c'est que si j'y retourne... C'est une bonne idée, on fait un vote. Spectre, Oni, Goryeo, Reiju. Alors, Spectre, Spectre, Spectre. Spectre, qu'est-ce qu'il dit pour le Spectre? Spectre, c'est Spirit Box. Ah, j'aurais dit non. Hein. Parce qu'il l'a pas, il l'a pas fait, il l'a pas réagi. Oni, Goryeo, Reiju. Oni, température glaciale, non. Ah, température glaciale, c'est non. C'est... Reiju. Projecteur dots, orb automatique. Attends. Ouais, c'est pas. Non. Pas l'impression qu'il y a des orbes. Pas l'impression qu'il y a des orbes. Je voterai. Goryeo Reiju. Orb, Goryeo. Ouais, Goryeo, Goryeo, Goryeo. Après, si ça se trouve, c'est complètement autre chose. Hein. Empreinte digitale. Moi, je voterai empreinte digitale. Goryeo, je pense. Je pense Goryeo. Un Goryeo ne se montrera habituellement qu'à travers une caméra, lorsqu'il n'y a personne à proximité, ok? Il ne se déplace jamais très loin du lieu de leur décès. J'ai pas l'impression qu'il se baladait vraiment, hein. Yes! À pied, j'ai fait presque 2 km, dont 1,8 km autour du meuble. Il a fait, mais... Il a fait 1 km, l'entité! Elle a fait 1 km! On avait l'aile. Tout là. Oh, on a un intérieur. On a une cour là. C'était refondu et tout. Attends, on est retourné. Non. Oh, non. 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 Ok. Ok, non, mais c'était refondu, c'est glauquissime. C'est glauque. Oh! Oh, je veux rester là! Je veux rester là! Ok. J'ai... Oh, je sais même plus d'où je viens là. Ouais, la petite cellule capitonnée. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les escaliers. Ok. C'est d'avoir une petite. Le sous-sol, c'est le plus glauque. Oh non. Ok. Couloir. Dans le bureau, c'était froid. Ouais, mais pour l'instant, c'est froid. Thank you.
très bien. Je sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas ce que je ressens. C'est très très gênant. Qu'est-ce qu'il y a avec ça hein? Ok. Je sais même pas le. Avec ça. Oh là, mais c'est incroyable. Ah, mais je fais flic-flac en plus. Oh. Bon pied, bon oeil. Très bien. Oui, oui, bon, si j'ai vu. Petit nono, c'est très bien. Ah. Ok. C'est débrouillé comme un pied pour finir comme ça. Alors, sachez que ceux qui verront la VOD, que c'est une tuteur modératrice de la chaîne qui sortit cette vanne incroyable. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez. Ok, très bien. L'ancien asile n'existe pas. Enfin, l'asile a été modifié avec la zone la plus grande. Et en fait, l'asile, désormais, a deux versions. Il y a la version complète et la version alternative. La version alternative te propose de visiter l'une des cinq zones de l'asile aléatoirement. Tu ne sais pas sur quelle zone tu vas tomber, qui est accessible et quelle zone est fermée. La mise à jour, elle est chouettos. La difficulté, elle est un peu plus équilibrée. Pense au pied. C'est vrai, il faut que je prenne en photo le pied. Exact, exact. Ok. Manque plus de... Tu sens là. Et la modification de la difficulté, elle est vraiment chouette. La modulation. JPP de moi! JPP de moi! Vas-y, fais coucou! Vas-y, fais coucou! Vas-y, fais coucou! Oh. On a trouvé quelques restes. Enfin, une preuve que l'entité existe. Zouiplop! Attends. Quoi? Non. Preuve, photographie. Hein, baignoire? Attends, c'est pas possible, là. L'ajustement, les petits post-it avec les petites notifications sur le tableau de bord, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ça personnalise énormément. Ça apporte une plus-value dans l'expérience et une immersion supplémentaire. Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Quel est votre âge? Question est vite répondue, quand même. Si, si, on avait EMF5, je crois. C'était MF5. Écriture fantomatique, on sait pas. Spectre. Dots, j'ai pas l'impression. Jumeaux. Température glaciale. Il n'y a pas de température glaciale. Je peux barrer glaciale. Je peux totalement barrer glaciale.
Ok, 1. On a 73. C'est là on commence. Là, il faudrait qu'il y ait Dots. Il faudrait qu'elle elle passe en mode nit nit. Il faudrait qu'elle passe là-dessus. Check la baignoire. Non ! Pourquoi je veux check la baignoire ? Mais si vous avez quoi ? Et si vous savez pas ce que c'est une baignoire, je sais pas, faites un truc. Je sais pas, mais c'est pas... Non, mais check la baignoire, quoi ! Mais sérieux ? Sans deck ? Check la baignoire. Ah, peut-être avec un crucifix. Check la baignoire. Ça. Vas-y. Hey, psst. Hey. Tu veux pas check la baignoire ? Cassos. Elle a écrit. Attends. Écriture automatique. Ah, c'est vrai. Oh. Non, bah si. Tous les vendredis, on fait une soirée de l'horreur. Ce soir, c'est une soirée chill, bien sûr, évidemment. Vendredi soir, on va faire la suite de Song of Horror, qui est pour moi rien à voir avec Phasmo, l'un des meilleurs jeux d'horreur que je connaisse. Ce soir, c'est vraiment chill, tranquille. Oh non ! Arrête ! J'ai vu le crucifix qui a fait zouiplop. Je t'avais rien demandé. Je lui ai pas demandé son âge et la vie, et elle veut absolument me donner son âge. Eh oh. Écriture fantomatique. Esprit. C'est tout pour moi. Allez. Ouh, stagiaire niveau 303. J'ai fait quasiment 3 km. Total de santé mentale perdu, 184%. Et ouais. Moi, c'est toujours à 200%, moi. Bum 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 b